Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, saluer le travail de cette délibération. Ça représente beaucoup de travail. Je crois que c'est extrêmement bien fait. Ça, c'est la première remarque. La seconde, c'est qu'il faut peut-être penser à travailler peut-être un peu plus en fonction à la fois des territoires, des enjeux et surtout de certains périmètres. Je pense, pour être simple, que ça doit être décliné un périmètre de proximité. C'est ce que vous nous proposez. Ça, je l'entends tout à fait. Nous l'avions déjà initié il y a 3-4 ans. C'est une première chose. Un périmètre un peu plus large, peut-être, avec certaines villes ou département, mais ça me paraît peut-être un peu compliqué, mais certaines villes, on a des choses à apprendre de nos villes, même si c'est un peu contesté parfois ici, mais des villes dans une proximité relative restent des villes abordables, on peut se rendre visite assez facilement et surtout on peut se contacter et faire des échanges intéressants. Et puis la troisième échelle, c'est l'échelle beaucoup plus large, nationale, voire internationale, de métropole à métropole. Ça me paraît aussi important d'échanger. Donc voilà, c'est pour qu'on ne perde pas ce fil-là. La proximité immédiate, c'est parfait, bien sûr, mais je crois que ça ne peut pas suffire en aucune manière. Et on est heureux d'apprendre au détour d'une délibération comme ça que nous aurons peut-être la CDC Montesquieu dans la régie de l'eau métropolitaine. Bon, nous sommes heureux de l'apprendre. Il faudra peut-être que la régie fonctionne bien avant de leur proposer d'entrer dans notre régie quand même. C'est peut-être pas tout à fait le cas encore dans les prévisions. Merci et en tout cas, féliciter le travail qui a été fait, bien évidemment.